Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Et quand c'est un nouveau jour, il faudra que l'on parle beaucoup de trucs. Il faut que je mette l'ampoule là. Ou bien je la laisse, ou bien je l'enlève. Wouh, mon ongle est quitté. Shakira, on va seulement faire la vidéo là. Monte et descend. Bullshit. Je vais mettre la lumière pour que vous me voyez un peu plus clair. Partagez ce direct là, s'il vous plaît. Parce que ma page a un peu de petits trucs là qu'on doit régler. Voilà! Shakiro, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Salut à tous mes fans, salut à tout le monde qui est présent. Bonsoir tout le monde. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour parler et pour dénoncer certains trucs. Voilà. Vous savez, j'ai passé toute ma vie pour construire ce que j'ai construit dans ma vie. Et non pas que pour que des putes et des connes viennent m'emmerder dans ma vie. Never. Shakiro, tu m'attends attaquer. Tu m'attends parler. Tu m'attends dire. Et tu m'as insulté. Alors aujourd'hui, je viens te rendre pareil. Aïe, maman, les chaussures sont en train de me faire mal aux pieds. Hein? Ma chérie, je ne sais pas en quelle année tu es née, malheureusement. Tu m'as insulté, tu as fait ce que tu es en train de faire. Alors aujourd'hui, ma chérie, je voudrais juste te dire quelque chose. D'accord? Déjà, premièrement, j'ai besoin que tu ailles d'abord laver tes fesses. Que tu partes d'abord laver ton cul. Parce que moi, je ne suis pas le style de femme qu'on baisse et puis je chie sur le lit. Parce que moi, j'ai jamais chié sur le lit un jour, ma chérie. Quand un homme me fait l'amour, il trouve vraiment de la propreté jusqu'à ce qu'il me mange. Parce que quand un homme arrive de te manger, il faut d'abord qu'il voie si tu réponds à ses critères d'hygiène. Tu m'as insulté que je suis laide. Ma chérie, quand tu te regardes, c'est même bien beau comme tu as enlevé. Tu as enlevé le maquillage. C'est le maquillage qui te rend quelque chose, ma puce. C'est le maquillage qui te rend quelque chose. Comprends ça aujourd'hui. La taille, tu n'en as pas. Être bien bâti, tu n'es pas. On dirait un couscous. On dirait de la levure qu'on a versée dans la farine qui est en train de gonfler. C'est tout simplement ce que tu es. Ma chérie. Tu n'es pas en Suisse. Tu n'es pas en Suisse. J'avais bien dit l'histoire là, ici, là, que la photo que vous voyez là. Moi, c'est pas l'avion. Ça ne peut pas entrer dans mes oreilles. Restons voir, attendons voir. Tout le monde a discuté jusqu'à... Non, il est déjà de votre côté là-bas. On t'avait dit...
t'a mis 100 caleçons, ou c'est la farine que tu avais mis sur le visage, ou c'est quoi que tu avais mis sur le visage, on se rappelle encore, ma chérie. On se rappelle aussi de l'époque où tu t'étais confessé, les gardes du quartier t'ont pris pour aller demander pardon à ta maman et tu avais juré à ta maman plus être d'Epsi. Tout ce que tu as fait dans le Cameroun, où nous, nous avons vécu dans ce Cameroun et on n'avait jamais levé la tête un jour parce qu'on a toujours respecté notre constitution. Ma chérie, la gueule que tu tapes, la bouche que tu tapes là, retourne au Cameroun pour aller taper la bouche là. Quand je vois les Aïcha Camoises comme ça, qui partent encourager des choses en direct, qui encouragent des choses en direct, les Aïcha Camoises, qui encouragent des choses en direct où on est en train de saboter tout un pays, où on est en train de saboter les pères de famille, les fils d'autrui, les enfants d'autrui. Alors que à ce Shakiro-là, moi je te dirais que tu mérites la prison. Tu mérites la prison et sans pitié parce que tu abuses. Nous tous, on a eu pitié de toi ici. Nous tous, nous avons pleuré. Nous tous, nous avons crié pour qu'on te libère. Tu étais comme un vieux Makanjo avec un vieux pagne. En direction de la prison, tu marchais avec le sac devant comme ça, là on dirait une femme qu'on a terminé. La poubelle. Vous voulez me confondre avec la poubelle? Vous me confondez avec les nez d'hier? Vous me mélangez avec de la saleté? Mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais aller foutre au Nigeria, même si c'était pour l'immigration? Qu'est-ce que je vais bien aller foutre là-bas? C'est un pays vraiment où un homosexuel peut vivre? Mais tu cherches ta mort, ma chérie. Porte alors la jupe là-bas, on voit. Comme tu aimes entendre, porte la jupe là-bas, on voit. Mais ma chérie, je venais te dire, à partir d'aujourd'hui, n'ose plus citer mon nom parce que je ne suis pas ton égal. Je ne suis pas de ton espèce. Je ne suis pas de ta voirie. Je ne lève pas les cochons. Parce que toi, tu es né dans la boue. Et on t'a fait sortir de la boue. Et tu continues avec ta boue partout. Jusqu'à ce que tu ne veux pas mourir seul. Tu commences maintenant à agresser les Camerounais. Ils te cherchent quelque chose de quoi faire. Les listes que tu as citées. C'est les mensonges. Tout ce qu'il dit. Quand je vois les Aïcha Camoises, des chiens comme ça. Qui osent carrément les prendre en vidéo pour écouter le témoignage. Et après, demain, quand on va vous attraper au Cameroun, vous allez dire que, ha ha ha, ha ha ha, tu peux encourager un homosexuel comme lui à faire un témoignage. Un témoignage de quoi? Tu as les preuves? C'est juste le téléphone. Mais vous allez porter les problèmes ici, là, hein, sur la terre. Bipez-moi alors, Shakiro, maintenant. Si elle est une femme, viens qu'on parle, ma puce. Si tu es une dame, Shakiro, bipez-la moi. Qu'elle vienne en vidéo pour qu'on discute. Shakiro, est-ce que tu peux venir pour qu'on discute? Est-ce que tu peux venir discuter avec maman? Tu peux discuter avec maman? Quelqu'un qui a passé tout son temps comme ça, et puis vous l'encouragez. Mieux vaut qu'il retourne dans la prison où il était, parce qu'en ce moment-là, on ne peut plus avoir compassion. Lorsqu'il est parti, au lieu de partir se calmer, de voir la vie d'une autre façon, d'essayer de modifier certaines choses dans sa vie. Mais si quelqu'un continue avec les mêmes bêtises avec lesquelles il est sorti du Cameroun, pour aller encore continuer ces trucs-là au Nigeria, pour saboter les gens, qu'il retourne alors au Cameroun. Pauvre Madame Alice Kom. Pauvre Maître Alice Kom qui s'était battu corps et âme pour toi. Tu l'as fait même honte. Parce que je suis sûr que cette dame-là, cette dame Bassale, ne pourrait jamais, jamais, jamais t'encourager de venir mettre les noms des gens dehors. Et en plus, toutes les personnes que tu as citées, ces personnes-là ne sont pas de ta classe. Ces personnes-là ne te connaissent même pas, ils entendent seulement parler de toi.
Tu as déjà bu avec ces personnes, tu as déjà mangé avec ces personnes, tu as déjà vécu avec ces personnes, mais tu as seulement compris le Congo ça. Ma chérie, tu m'as dit que non, que je ne connaissais pas parler mon anglais, ma chérie. Tu m'as mis à l'école. Toi, tu connais très bien le parler. Mais pourquoi tu n'es pas aux États-Unis? Toi, tu n'es pas ici, pourquoi? Avec nous. Tu es au Nigeria, mais tu es pauvre, ma chérie. Les gens sans qu'ils vendent là, c'est le feu. Le gens sans qu'ils vendent là, celui qui va payer ça, tu vas te brûler, ma chérie. Tu vas te brûler et non que tu vas devenir rouge. Les vrais gens sans en ce moment, c'est Nadia Cosmétique. Oh! Mais pas pour des personnes comme celle-là qu'on appelle Shakiro. C'est qui elle? Quand on va parler, je n'ai même pas voulu parler de toi. Je n'ai même pas voulu parler de toi. Parce que tu sens, tu ne te laves pas encore, tu ne te laves pas encore bien. Tu nombres, comme tu sens, c'est comme ça que ton cœur, ça sent. Qui te baise? On a déjà vu avec un homme avec qui tu couches. Quel homme qui te touche? Shakiro, qui? Qui? Avec les balafres sur le visage, partout. Je ne sais pas pourquoi on ne t'avait pas mis un au front là pour que tu ne mettes plus ces make-up là sur ton visage. Parce que maintenant là, je commence à te haïr, ma chérie. Parce que quand tu t'adresses à moi, alors que c'est toujours la même moi ici là qui t'ai défendu quand tu es parti en prison, on ne te l'a pas dit? Renseigne-toi. Ta copine Manibé là avait affiché ta photo pour qu'on te libère. Dès que le Cameroun l'a dit que si toi-même tu ne veux plus devenir artiste là, continue à supporter ce que tu supportes là. Mani Bella a enlevé la photo. Vous avez oublié? Moi je n'oublie pas. Mani Bella. Mani Bella est revenue, elle a dit, pardon, oh, pardon, pardon. Elle est sortie dans les problèmes. Si déjà on ne prend pas du courage pour toi, qui prendra le courage pour toi? Regarde-moi, petite sotte. Regarde-moi bien avec les yeux. Parce que tu ne vas jamais me ressembler un jour. Tu es trop sale. Tu es trop moche. Tu es pauvre. Tu ne vis pas aux États-Unis. Et moi, je vais parler avec les gens qui vivent au Nigeria. Qui se cherchent encore la vie. Qui cherchent encore la vie. Le gens que tu vas, ma chérie, c'est pas le gens. C'est le feu. Tu vas aller brûler les gens. Tu vas aller brûler les Kimapus. Qui tu vas aller brûler? Non. Non. Personne ne payera ces produits. Choque toi-même seul. Tu es en train maintenant de citer les Camerounais. Et après, tu dis encore qu'on te paye les produits. Les qui vont te payer ça? Tu fais le sabotage sur les gens. Tu as saboté tout le monde. Tu as mis le nom de tout le monde. Mais qu'est-ce qui vous prend même dans la vie, vous là? Tu ne peux pas rester comme moi. Tu peux même prendre même un artiste là-bas. Tu viens nous bombarder ici là. Tu peux prendre les nobles personnes, les pères de famille, les petits frères et les gens. Tu viens les afficher. Ils ont fait l'amour avec toi, ils ont couché avec toi. Montre-nous les photos. Montre-nous les preuves. C'est pas seulement la bouche, parce que la bouche ment. La bouche, c'est un trompeur. Même si un homme voulait de toi. Toi là, regarde-toi. Regarde ton dessin. Regarde ton dessin. Envoyez des vidéos là pour qu'on cause. Je ne peux pas trop perdre mon temps pour une saleté comme ça. Parce que ne me mélangez même plus. Et ne me taguez plus sur mes histoires de TikTok. Que Shakiro a dit, que Shakiro a dit que. Je l'ai demandé de venir ici aujourd'hui. Elle ne peut pas venir parce que je vais la battre. Je vais la mettre au sol. Hein? Une migraine comme elle. Dios pas. Envoyez la vidéo là-bas. Merde. Regardez quelqu'un qui a passé tout le temps à mourir au Cameroun là-bas. On t'a fait sortir de la mort. Tu es venu rester pour parler des gens. Ma chérie, je n'ai pas de temps à perdre. J'ai beaucoup de choses à m'occuper dans ma vie que de m'occuper des pourritures comme toi. Parce que tu n'es qu'une pourriture, ma chérie. Ne parle pas de moi parce que moi je ne parle pas de toi. Je suis ici là pour mes fans, je suis ici là pour donner la bonne humeur.
Je suis ici là pour danser. Je suis ici là pour faire tout ce qui est bien. D'accord? Je ne suis pas là pour dire que non, je suis sorti avec tel ministre, tel ceci, tel cela. Juste le sabotage gratuit. Et dans tout ça là, cette conne d'Aïcha Kamoaz est en courage. Est encouragée dans ça. Les gens comme les Aïcha Kamoaz, ce sont les gens qui, quand elle part au Cameroun, là, on l'attrape. On l'attrape, on l'enferme. Parce que ce n'est pas normal. Laissez les gens vivre en paix. Laissez les gens vivre comme ils veulent vivre. Aïcha Kamoaz, c'est mon ami, c'est ma copine. On se connaît. On ne se connaît pas. Moi, mon problème, c'est que Shakir, on n'a pas le droit de venir parler les noms des gens. Il a commencé son habitude là depuis. Maa Shakir, l'autre, il s'appelle encore comment? J'ai même oublié son nom. L'autre gars aussi qu'on avait menti là, que nous on l'a attrapé. J'ai même oublié son nom. Tous les artistes là, il a accusé tout le monde. Maintenant, il a fait sortir maintenant une nouvelle liste. C'est plus les Maa Shakir, c'est plus les autres. C'est maintenant d'autres noms maintenant qui sortent. Et demain, tu vas nous dire quoi? Que c'est le président Paul Biya. Tu veux la mort, hein? Tu veux mourir, toi? Même dans ce Nigeria-là, en deck. Même dans le Nigeria-là où tu te trouves. Attention, ma chérie. Il y a les Camerounais là-bas. Attention. Hein? Il a dit quelqu'un. On sent la souffrance. La barbe partout. Ça sue partout. Regarde la saleté. Tu as venu me parler, moi qui ai dans la fraîcheur. Hein, ma chérie? Je suis sûr que là, lorsque tu vis, il n'y a même pas de clim là-bas parce que c'est l'Afrique, ma puce. Pour avoir une maison qui a une clim, il faut que tu puisses donner quelque chose. Mais tu es sorti pauvre. Donc, assume ta vie, ma chérie. Assume ta vie, ma puce. D'accord? Il faut l'assumer parce que des énergumènes comme toi, on s'occupe autrement d'eux, tu sais. Mais ne viens plus te rivaliser encore à moi, parce que entre toi et moi, c'est le jour et la nuit. D'accord? Tu as dit que tu es transgenre, tu as coupé le sexe. Tu as coupé quel sexe? Menteuse. Tu as coupé quel sexe, mamie? Tu as quelle chatte? C'est le cul là que tu appelles la chatte, hein? Hein? C'est le gros trou. Le gros carrefour que tu as là-bas, que tu appelles la gaufrette. Ma chérie, toi aussi. Hein? Ne sois pas si aigri. Hein? Je l'ai demandé de se présenter. Elle ne s'est pas présentée. Elle ne s'est pas présentée. Si elle est une femme, quel monsieur a TikTok? On va se la faire là-bas jusqu'à. Comme elle n'a jamais vu dans sa vie. Voilà Facebook, elle est où? Elle est où? Tu veux imiter Annabella? Tiens, Annabella. Tu ne deviendras jamais Annabella, maman. J'ai déjà pris tout le terrain depuis. On ne te l'a pas dit depuis. Eh? Quand je suis né, tu étais là. Quand je suis né. Hein? Regarde comme elle a un garçon. L'aide jusqu'à. L'aide! Aïe! Vous les Bamileke, hein? Ou tu es Bamileke, ou tu es Bafan, ou tu es quoi? C'était même mieux qu'on te vende là-bas, on donne même ta tête, ton crâne là-bas quelque part. Ça commence à nous donner même de l'argent ici. Parce que toi, tu ne sais vraiment à rien. Tu ne sais à rien du tout, ma puce. Nothing. Mais, c'est comme je t'ai dit, laisse mon nom, ne parle plus de moi. Continuez vos histoires là-bas. Parle tout ce que tu parles. C'est comme je t'ai dit. Que ça soit la première et la dernière fois que tu puisses encore citer mon nom dans ton cabinet de bouche que tu appelles et qui te sert de bouche. C'est la dernière fois. Le jour que tu vas encore citer mon nom, tu verras.